J'essaye de faire le vide quand je me mets au chalumeau et vraiment de me concentrer sur le projet actuel. Et c'est vrai que ça détend. Alors, il y a des pièces qui stressent un petit peu parce que quand on passe 2 ou 3 heures sur une pièce, il faut qu'elle soit parfaite. Mais ouais, c'est une grande joie et c'est toujours une satisfaction de pouvoir vivre de sa passion. On a besoin d'avoir des jeunes qui perdurent dans nos métiers puisqu'ils sont en voie de disparition. Enfin, de fait qu'en plus, en France, il n'y a quasiment plus de verreries industrielles. Il n'y a plus de grosses boîtes. Maintenant, c'est quasiment que des petits artistes. Quoi. Donc, c'est un énorme challenge. Et ouais, je les encourage effectivement dans ce métier. C'est appréciable de pouvoir, le temps de quelques jours, être en contact avec le travail d'autres verriers, de les rencontrer, de voir un peu leur vision du verre, d'échanger avec eux sur ce qu'ils éprouvent, quelle est leur perception de leur travail et de la matière. Faire les événements comme ça, partager les techniques et le bonheur, le savoir-faire, le savoir-vivre avec du verre, c'est magnifique. When I'm working with glass, it's almost it's like a deep meditation for me. Just making this art, and a lot of times I will even find I will subconsciously make things in the art that I realize later, you know, like symbology or things like that. I'm always progressing, you know, in glassblowing. I think that collaboration is a very big part of learning and becoming better and becoming a better teacher. And there's a saying, we teach what we want to master. And it's really interesting to see the variety of glass artists here in France and to see scientific workers, bead workers, borosilicate workers, all coming together and learning from each other. Glass is a medium. It's a fantastic thing because not every other media gives you that possibilities because it's half transparent. It's just like a thing from your dreams. You actually can create something half visible, half not. And the lights play an absolutely fantastic role in this. So if you can do it perfectly, you can show people what you've got in mind. Cette association a permis de rassembler tout le monde. Voilà. En fait, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter d'être chacun dans son petit domaine et de s'ouvrir aux autres. Quand je travaille cette matière, c'est bizarre à dire, mais il y a une certaine incertitude. une impermanence de la matière chaude crée un petit côté stressant. Et tout le temps qu'on a passé avant, on s'imagine comment ça va être, mais à chaque fois, c'est une surprise. The first time I tried it, I just fell in love with the plastic, the old-fashioned sense of the word plastic, the malleability of the glass. We wanted to come here and be able to share the knowledge as well. And so Freddie had the idea to do the campaign, and then we had many people donate, and we were able to come. And it's exciting to be here. Very happy. It's a good way to expand our goal of empowering and educating the growing community and be able to explain very clearly what it is that we do. Everything everywhere is inspiration, and don't always be drawn to, I want to make that, exactly that. Go and find something different to do, and if you really love that, then by all means, you know, study that, make that, but change it, to make it different, make it your own, and keep getting better, but you're only ever striving to be better than yourself yesterday, or a week ago, a year ago. That's all you can be, is better than yourself in the past.
c'est vraiment un événement enrichissant, un événement humain déjà de base, et qui permet voilà, d'apprendre certaines techniques qu'on voit pas tous les jours, de rencontrer des gens à l'international, des gens qui viennent un peu de partout, et puis aussi de découvrir voilà, des fournisseurs, des sponsors qui peuvent nous amener à acheter plus tard du matériel ou ce genre de choses. C'était un peu le truc qui manquait en France, c'était ce genre de regroupement-là. Mais il n'y avait pas vraiment d'événement qui faisait qu'on se regroupait tous et qu'on partageait notre savoir et qu'on partageait tant de choses. Donc c'est vrai que c'est vachement enrichissant. J'ai connu le soufflage de verre par un atelier dans un CNRS. Et j'ai vu le verre rentrer dans la flamme, ressortir avec une autre forme. Le feu faire la danse autour de ce bout de verre et j'ai trouvé ça magique. Ça m'a paru facile et ça c'est le drame, c'est l'erreur. J'éprouve un grand plaisir à travailler le verre parce que pour moi c'est une matière qui est très sensorielle, très sensuelle si on va jusqu'au bout de l'idée. Quand on rentre en concentration sur une pièce, on va avoir les doigts qui vont sentir la malléabilité, on va avoir les yeux qui voient la couleur, les oreilles pour les réglages de flamme, quoi. On a vraiment tous les sens qui sont mis en action et pour le coup, travailler devient sensoriel et sensuel parce qu'on le tient au bout des doigts, quoi.